présenté par Crolève. On est prêt pour la deuxième rencontre, Diane Picard face à Rénal Dubé. Et on débute avec Diane, sur la numéro 9. Diane, qui est, comme on l'a dit, deuxième participation en autant de saisons à l'émission de l'Histoire de la Marche. C'est Diane qui débute avec un abat. Et ce sera donc au tour de Rénal pour son premier corps. Rénal qui a joué une superbe partie entre un pointage de 220. Oui. Tenter de poursuivre sur sa lancée. Oh, début de 46 côté droit. Est-ce que ça revient? Non, ça revient quand même qu'un bon pointage. Pointage de 8. Oui. Réserve pas trop difficile à récupérer. Normalement. Réserve qui se joue pareil qu'à un lancer de pour le bas. Encore une fois, comme tout à l'heure, semblait pas glisser suffisamment. C'est un problème, finalement, c'est peut-être un problème avec ce sujet. Qui aussi, quand même, sa réserve. On a eu un seul corps ouvert de son premier match. Arrêtez le qui numéro 9 sur le numéro 8. Ouais. Les deux joueurs qui ont eu seulement deux corps ouverts pour le Rio au 10e carreau, mais il n'y avait pas eu de corps ouvert avant le 9e. Et est-ce que ça demande oui, le droit? Oui, 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 oui. Sur la diable, maintenant. Sur la déterminée. On va débuter avec un abat. Ok, d'un doublé. Semble d'abord un lancer un peu lent. Oh, c'est la trouille. Diane qui voit d'un lancer par-dessus. Oui. Boule rouleau, comme on appelle. Ici, on a quand même vu la boule qui était au centre et n'a pas dévié sur l'antifront. Donc, réserve très, très difficile à récupérer. Pratiquement 2, 4, 6, 7 et 10. Il faut toucher avec les numéros mais, très mince du côté gauche. J'ai un peu de cette façon. Un petit peu plus mince, la boule qui est revenue à la toute fin. Oui. Qui est numéro 2 qui aurait glissé sur les quilles 6 et 10, plus par ici. C'est la seule façon de récupérer cette réserve. Si on veut un peu plus de vitesse sur le lancer. On a comme un endroit. Qui est numéro 8. Faut juste rater. On va aller pour la réserve. Déplace bien du côté droit de l'allée. Déposer la boule à droite pour qu'elle allait la mettre. La boule ne reviendra pas. J'ai vu un peu trop dirigé son lancer du côté gauche. Normalement, c'est l'allée qui aurait dû amener la boule du côté gauche sur la quille. C'est sûr que Diane, en voyant la performance de Rénal à la première partie, oui, tendance peut-être à vouloir faire se un peu plus d'abord. Oui, c'est ça. Un petit peu plus de pression dans sa main. C'est loin du côté droit, encore une fois. Un peu comme tantôt. Et on va s'en tirer avec un abat. Un peu chanceux. Très mince du côté droit, les quilles. Mais deux fois de suite. Son premier lancé sur les 8 également. T'as mince. T'as mince. Les quilles, 5 et 8. Ici, effet de balayage. Et lorsque c'est la quille numéro 5 qui tombe en dernier, on peut dire que c'est un abat un peu chanceux. Ici, ça revient vers le centre et c'est haut sur la quille numéro 1. Il reste deux quilles là. 8 et la 10 ou la 8 et 10, oui. Ou 2 et 10. Donc c'est la quille numéro 8 et 10. À moins de vraiment effleurer la quille numéro 8 du côté gauche. Ah, même là, avoir tendance à aller 18 en arrière. Remplace Diane peut réussir au moins à fermer ses carreaux. On va se rapprocher de Rénal. Et on remarquera de Diane. Ça semble bon. Qui nous a marqué sur son questionnaire. On a vu à ce qu'on a aussi. Oui, bien la bonne Diane.
crois qu'en guidant son lancer avec ses mains, la boule va avoir tendance à revenir vers le centre. Est-ce qu'il nous a marqué sur sa feuille? Il joue rapidement, tiens. Oui. Il guide sa boule. Oui, c'est moi. Qui est numéro 5. Il se rapproche quand même à 19. Oui, 19 qui est son adversaire. Qui est numéro 5 réserve, qui est normalement assez facile. Ils n'ont pas trop de difficultés à récupérer. Dans sa boucle, si on voulait effectuer un abat, si on voit ça donne rien. Non, mais là. Il faut dire que le lancer était quand même très lent. Très lent, il est ça. Le mouvement de l'allée a amené la boule trop à la droite de la King numéro 5. Là, la porte est toute grande ouverte pour. Oui, vraiment, elle pourrait. Une bonne distance. Et là, je le joue un petit peu plus vers le centre. Oui. Et au bon endroit, c'est ça, c'est pas sûr, c'est possible. Ici là-bas, troisième en 5 gars. Moi, c'est votre être ajusté sur la lénette. Puis c'est là qu'il a réussi qu'il a effectué son corps ouvert. Là-bas, du côté droit, il a lancé trop haut sur la King. Du côté droit, il y a. Encore une fois, c'est loin du côté droit. Il va rater la King numéro 1 cette fois-ci. Quand même une réserve assez facile. Dans ces circonstances, aussi bien que la boule n'est pas touchée. Oui. Parce qu'on se retrouve avec un écart, encore une fois. Alors que cette fois-ci, ici, qui est 1, 2, 4 et 7. Réserve qui ne donne normalement pas trop de difficultés aux joueurs. Prendre 23 quilles avec la réserve de priorité. Ça semble bien dirigé. La boîte a eu entre la quille numéro 1 et la quille numéro 2. Ça lui donne la réserve. En fait, donc, priorité, c'est 33. Okay. 33 points dans l'autre là. Après 5 cordes. Diane, ici, ça doit être. Il y a eu sur quelques. Ça semble bon. Et malheureusement pour elle. C'est vraiment le. Je pense vraiment que c'est une question de vitesse pour Diane. C'est une vitesse. On a vu quand même la quille numéro 1 qui voulait se rendre chez la quille numéro 9, mais c'est appelé sur la quille numéro 5. Et c'est là le fait qu'en ayant moins de vitesse, les quilles ont moins tendance à se bousculer rapidement. Si est-ce qu'il y a la boule qui va dévier. Non, ça va prendre l'antifront. Oui, malheureusement. Antifront qui est là bien souvent pour aider un joueur. Et sur les réserves, souvent, on va s'apercevoir que. Il faut faire bien attention quand la boule touche. Aucune chance d'arriver sur la réserve, et on l'a bien vu ici, la boule déviée. Et ça donne, malheureusement, pour Diane et Catherine, gros avantage. C'est de droite. Ça ne reviendra pas. Et là, OK, c'est le problème quand on se met à chercher. Oui. On cherche longtemps. Il y a une partie comme ça. C'est une partie vraiment pas longue. C'est pas long. Tu n'as pas le temps de te replacer dans. Un mauvais carreau. Un ou deux mauvais carreaux peuvent faire très mal. Surtout avec Rénal qui joue très bien depuis le début de l'émission. La réserve effectuée, mais quand même. Avec la performance de Rénal depuis le début. Prendre une série d'abats à Diane, c'est le best périple dans le match. Il y a un peu d'aide. Seulement 3 quarts, oui. On sera du côté gauche cette fois-ci. C'est loin un peu. C'est mince. Il s'en tire encore une fois à bon compte. Et les deux sont tombés, oui. Oui, ici, là-bas. Un peu. Et ces deux derniers abats sur l'allée 5, sur l'allée 8 plutôt. Très chanceux. Celui-là encore plus. Oui. Il n'y a plus rien de bouger. La quille numéro 1 sur son deuxième tour s'appuie sur la quille numéro 5 qui tombe sur la quille numéro 9. Un abat comme on en voit très peu souvent. Mais lorsque tout fonctionne pour un joueur. Oui, c'est ça. Ça va être un bon lancer. Et là, on voit la différence avec un lancer pratiquement parfait. Mais quand même, dans les circonstances, s'il récupère sa réserve, il aura quand même une confortable.
maximum de 2,36 là, pour un an, et 192 mondial. Ça va être réussi. Oui, c'est pas mal sûr que c'est pas la victoire qui l'importe là, présentement, c'est d'essayer d'avoir de bien paraître. Et... du côté droit. Ça va y aller, du coup. Ça va beaucoup, peut-être. Ouais. Et encore voilà. Une fois... lancer un peu là. C'est qui semble jouer avec des boules un petit peu plus petites. Souvent, les joueurs qui jouent par-dessus, comme ça, cherchent à avoir... Avec une boule un peu plus large, on va avoir un peu plus de pointage. Il y a la boule qui rentre. Il y a moins d'impact ici. Passer juste à côté. Au moins, Diane atteint le chiffre psychologique de 100. Sauf que sur sa réserve, je ne pense pas qu'une feuille de papier passe entre la boule et le petit. C'est loin. Et on le parlait dans le match précédent, l'importance des réserves. Diane, 4 réserves d'une quille. Mais, je te dirais, Guillaume, c'est quoi qui est plus normal, la performance de Diane ou la performance de Rénal qui, à 170 joué, de moyenne, va jouer deux parties au-dessus de sa moyenne? Diane qui parle à sa boule. C'est une réserve qui est quand même pas facile. Il faut frapper la quille droit au bon endroit pour qu'elle puisse faire tomber la quille derrière. Ou que la boule aille chercher la quille. Alors ce sera au tour d'Arenal qui va terminer la partie. Ouais. La victoire qui est déjà assurée. Donc on termine pour la forme, pour le plaisir. Il peut quand même atteindre 226 encore. Avec 4 abos. C'est que j'ai du côté droit, ça va être mince encore une fois. Et encore la quille 5 au dernier essai qui va s'aider. Encore une fois sur le 3 abos. C'est 3 abos de suite sur la 8 et 3 de façon différente et pas une de façon vraiment sans équivoque. Alors complète la partie sur la ligne 9. Deuxième victoire de suite pour Renal Dubé qui va fonder dans le prochain match. Aidez Fournier. Un autre personnage chanté. Oui. Croisé aidé tantôt, très nerveux. Et ce qui est normal aussi, ben oui. Lors d'une première participation. Ces réserves, pas très compliqué. Hein. C'est parti! Ça va être bien. Donc, on va. Quand même un pointage, une possibilité de 196. Pour un doublé de 400 et plus. Oui, 416 en deux parties, ce qui est excellent pour cette catégorie. On se termine avec un lancer du côté droit. Oh, bon, 196 pour Renal qui va se mériter sa deuxième victoire. On va laisser Diane compléter sur l'allée numéro 8. Renal. 4, 5, 6, ça va encore une fois dans le match. Ouais, seulement un carreau vert encore. Donc, en deux rencontres, Renal, seulement deux carreaux verts en deux rencontres. Si Diane, du côté droit, ça lui permet d'avoir ses deux victoires. Et Diane, rendu à ce statut, je pense qu'elle a hâte que la partie se complète. Un peu, malheureusement, parler d'une contre-performance. Oui, parce qu'on connaît Diane, elle est capable de jouer beaucoup mieux que ça. Quand même beaucoup de contrôle. C'est rare que Diane n'est pas dans le centre de l'allée. Et on peut terminer avec une belle réserve. Malheureusement, l'écart a bien fait. Donc, c'est ce qui complète la deuxième rencontre, victoire de Rénal Dubé. On retrouve tout de suite avec la troisième rencontre.